Un état de santé qui inquiète. Ce jeudi 1er juin a eu lieu la célébration du mariage du prince Hussein de Jordanie et de son épouse, Rajwa Al-Serf. Sans surprise, de nombreux invités de prestige ont fait le déplacement à Amman, en Jordanie, pour assister à la cérémonie. C'est notamment le cas du prince William et de Kate Middleton, qui ont attiré tous les regards, mais aussi de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, et de sa compagne, Sofia. Et si de nombreux observateurs ont été ravis de retrouver les parents du roi Felipe VI lors d'une apparition publique, ils ont également été frappés par le déclin de l'état de santé de celui qui s'est exilé à Abu Dhabi en 2020. La raison? Ce dernier a dû se déplacer en fauteuil roulant. Comme l'ont révélé nos confrères espagnols d'El Confidencial, ce jeudi 1er juin, le roi déchu Juan Carlos s'est en effet déplacé, à l'intérieur du palais Aran, en fauteuil roulant et avec l'aide de son fidèle ami Vicente García Mochal. De quoi inquiéter de nombreux fans quant à l'état de santé de l'époux de la reine émérite Sofia. D'autant plus que c'est la première fois que le père de Felipe VI s'affiche en fauteuil roulant, sans raison particulière. La dernière fois qu'il avait dû en utiliser un, c'était en 2018, après avoir été opéré au genou droit, a rappelé El Confidencial. Supérieur à supérieur à mariage d'Hussein de Jordanie, revivez l'événement en images Juan Carlos et Sofia, des retrouvailles timides lors de leur dernière apparition publique, aux obsèques du roi Constantin II à Athènes, le 16 janvier dernier, Juan Carlos et Sofia d'Espagne avaient surpris tout le monde en affichant une rare complicité. Cette fois, le couple, qui vit séparé depuis de nombreuses années, s'est montré beaucoup plus discret. Installé derrière le roi Willem Alexander des Pays-Bas et sa femme la reine Maxima, les parents de Felipe VI semblaient plus distants que jamais. Entre les regards dans le vide et le manque d'échanges et de sourires partagés, Juan Carlos et Sofia ont assuré le service minimum. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cyril Moreau. I think.